Bienvenue à notre programme de cet après-midi qui est le réveil de jeunes. Badikwale onjolo to pesi binombo te bisika pi bosi ko zwama. Nayango lelo to zali na invité mon corps azali analyste indépendant comme on a eu Gauthier Bomandeke. Azali pe jeune na ba jeune so azali kota la yena mon kolo lelo. Azali jeune loko la bino kasi azali analyste mon corps indépendant. Na yé to komeka ko réfléchir par rapport ya sorti ya gouvernement ya Sama Lukonde et quelle part vous allez réserver na jeunesse et puis ba sujet bike bike et zali na kati ya émission na biso ya réveil de jeunes na mon kolo lelo kasi la singa na ba jeune nyonso bazala vraiment branchez, basez à scotcher et surtout abonnez-vous à notre chaîne Léo Joléo et vous ne serez pas déçus parce que Awani Boukoué, Makambo Ebele, Zali Koleka, Actualité, Zali Koleka, Nakati, il y a Mokanabiso, Pébipa, Inabipa, Ikaka, Awanakati, il y a Léo Joléo. Kasi, tout comme ça, déjà Gauthier, bonjour, bonjour Gauthier. Bonjour, bonjour Maïtane. Oui. Ok. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que Gauthier a dit que nous avons été Katina Léo Jolie. Ah, mais c'est un qui connaît Katina Katia Léo Jolie. Alors, Gauthier, tu as commencé à monter sur les bousseaux. Il y a un gouvernement qui a été créé tantôt plus tôt, bientôt, avec une épopée, lobby kuna. Et pour nous, quelle part que nous voilà, et les réserver la jeunesse, par exemple, aux années dans la 4e moto. C'est un gouvernement où tout se lève il y a longtemps. C'est là, nous sommes le gouvernement évidemment, avec l'espoir qui est surtout évidemment, ça peut peut-être apporter quelque chose. S'agissant de la part de la jeunesse, je ne sais pas par la jeunesse de vous le voir par rapport à la résolution à leurs problèmes de la jeune ou par rapport à la participation à la jeune. Voilà, maintenant on a parlé de Bosso et avec le Biwana, on a parlé de la partie de la jeune Katia. Par rapport à pour répondre à la besoin à la jeune, voilà. Il y a besoin des multiples entre autres sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'emploi, sur le plan et la santé, sur, donc dans plusieurs secteurs, il y a toujours le souci des jeunes de la jeunesse de l'âge de s'exprimer, entre autres, comme aujourd'hui, dans la partie est, on a vu que tout le monde a plus de jeunes, il y a des jeunes basés pour manifester à tout moment, entre autres, les jeunes de la Lucha, Pilindi et les autres organisations de la société civile, ou basés ça la pression par rapport à la mission il y a Nations Unies, en Bogamusso, basés arriver à pour établir la paix dans la partie où on a les gens. Tous ces derniers temps, il y a des manifestations. Donc, c'est aussi l'une des besoins de la jeunesse, l'une des soucis, préoccupations majeures de la jeunesse, où le gouvernement est censé y avoir répondu. Mais je crois toujours le Premier ministre est jeune, et je pense qu'il peut faire son mieux pour répondre à ces besoins de la jeunesse. Okay. Donc, ce qui concerne la participation de la jeunesse, moi, je n'attends pas grand-chose. Comment ça? Parce que vous êtes jeune, donc vous êtes assuré de la jeunesse. Je ne vois pas comment ce gouvernement, avec plus de 57 personnes, je ne vois pas comment l'effectif de la jeunesse peut atteindre même 30%. Je ne vois pas. Même 20%, j'en doute. Pourquoi j'en doute? Parce que, vous savez, on a renvoyé la liste des candidats ministrables. On a renvoyé la liste simplement pour qu'on puisse corriger les noms des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'on a privilégié les femmes, on n'a pas tenu compte de la jeunesse. Et pourtant, la jeunesse aujourd'hui, elle est une moteur, elle est plutôt moteur du changement et moteur du développement. Okay. Tous les pays qui se sont développés au monde, si vous lisez leurs histoires, vous verrez qu'ils ont utilisé, ils se sont servis les de la jeunes, jeunesse pour changer des choses. Mao Tse-tung l'en a fait en Chine, ça a réussi. Et il y a beaucoup d'expériences que je ne peux pas, si je commence à citer ici, ça va me prendre ça. Et ce sont même des Américains, ils ont travaillé avec la jeunesse pour devenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, quant à nous, j'ai vu qu'on a déjà négligé la participation de la jeunesse en amont. Espérons que dans la mise en œuvre de la politique de l'action gouvernementale, ils tiendront compte de répondre aux aspirations de la jeunesse et aux préoccupations de la jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Voilà, à voir que notre premier ministre est à 20 juin.
est-ce que vous êtes vraiment satisfait na, ou d'accord dans le choix wana, y a mini premier ministre Malcolm. Maman, bijou, il faut que vous premier ministre a une histoire. Tout ça, dans l'année, tant d'années avant Jésus-Christ, dans la vie, au moment des années, dans l'époque, il y avait l'Égyptien, où il y avait roi. Le roi, il y a une histoire, il y a Joseph. Joseph a une histoire là, qui a un pouvoir digne à interpréter ma songe. Alors, roi, c'est là qui rêve. On a dit cette vache maigre, et puis on a dit cette vache, il y a santé à malade. Alors il fallait que nous tout le monde interpréter. Dès Joseph Paya qui a interprété son joie. Et puis 7 ans, 7 ans au de Zobanda, et vous allez y avoir abondance. Mais 7 ans sous ce Koya, et vous allez y avoir pénurie. Alors il faut tout économiser. C'est-à-dire, Joseph a interprété vision au Zaki à roi. Okay. Alors, pour la coexécuter, la monde, roi et vice, comment on peut interpréter vision là? J'étais non comme responsable au à coexécuter le plan. C'est-à-dire, Joseph, par contre, le roi, premier ministre dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut ça, il n'y a pas de fonction là. C'est là qui Joseph. Donc, il n'a pas même premier ministre à exécuter vision là. Premier ministre, il faut comprendre vision là, chef. Donc, si c'est quoi à comprendre, à monter. Je pense que le président de la République, après qu'on nomme un député, ça a expliqué en amont, vision naïve, qu'est-ce qu'il a à faire. Mais autre chose aussi, moi, préoccupation, les gens parlent seulement comme ça. La vision du chef de l'État, la vision du chef de l'État, la vision du chef de l'État. On ne quantifie pas cette vision. On ne précise pas cette vision. Mm-hmm. La vision n'est pas chiffrée. La vision n'est pas quantifiée. Et la vision n'est pas fixée en termes d'État. D'État, voilà. Or, une vision, c'est comme un programme. Il y a gouvernement, ou un programme, il y a budget de l'État. Le budget de l'État, c'est 7 milliards. 7 milliards, c'est pour une année. Dans une année, il va pour réaliser, il va pour réaliser, il va pour réaliser. Malheureusement, la vision chef de l'État, on nous parle seulement de vision. Conséquence, en 2023, nous serons incapables de juger Félix Tshisekedi par rapport à sa vision. Pourquoi? Parce qu'il a passé, il a créé, il a détaillé. La précision, il a pénalisé. On pouvait peut-être nous dire que vision chef de l'État, en ce qui concerne la construction des routes, par exemple, le chef de l'État compte dans sa vision construire 50 000 km de routes. Il compte asphalter plus de 20 000 km. Il compte réhabiliter 50 hôpitaux. Il compte construire 15 universités modernes. Mm-hmm. Il compte construire 3 barrages hydroélectriques. Il compte créer 2 millions d'emplois. Il compte tout ça. Il compte construire 5 parcs agro-industriels. Mm-hmm. Tout ça, tout ça dans la vision et la quantifiée. Il y a vous, la population. Alors, la précision, t'es là. Nous, population, pour vous juger que ça soit chef de, premier ministre, en tout cas, exécuter vision à chef de l'État, par rapport à l'évolution, à la construction, puis à la réalisation. Quantifier la vision à chef de l'État. Okay. Malheureusement, la vision est passée. Amélioration du condition de vie de la population. Oui, le gouvernement, il y a son amende à travailler à pour améliorer la condition de vie de la population. Okay. Sécurité à l'Est. Oui, le gouvernement, il y a la priorité qui est à répondre à besoin de la population en ce qui concerne la sécurité. Le gouvernement doit assurer protection et puis sécurité à la population. Maintenant, comment le gouvernement a compté la vision à chef de l'État comme être fait la question en insécurité. Comment donc pour les quantités et la chiffrée et moi comme financier des formations, j'ai un peu mal à intégrer notion en a, parce que si demain on veut juger ça mal comme qui n'a pas réussi à exécuter vision à chef de l'État, on va les juger par rapport à quoi, par rapport à quel chiffre, par rapport à quel programme, par rapport à quel timing. C'est ça le problème. Donc moi, je pense déjà qu'au départ, tant que vision a bien clairement établi, le premier ministre a pris ça, la carte, comme les autres ont fait, qu'ils vont aller dans des réalisations, mais réalisations, vous trouvez ma quantité, vous trouvez Donc, ce choix-là, vraiment, vous êtes d'accord, mais on tient pour ma ponate. Peut-être qu'on parle de Naza contre le choix, mais le problème, c'est que tout à fait. Par rapport à la vision, ils ont quantifié, ils ont créé. La vision, ils ont créé. Okay. Ils ont créé et puis ils ont
Donc, je ne peux même pas parler que ça va de ça, que ça va de ça. Mais voilà, il y a une idée de vision où, dans le secteur, il y a santé et amis. Voilà. Dans le secteur, il y a infrastructure et amis. Dans le secteur, il y a éducation. Dans le secteur, il y a emploi. Dans le secteur, il y a défectif. Vision et amis. Dans le secteur, même, il y a tourisme et amis. Okay. Et puis, même dans le secteur, il y a transport. Je ne sais pas, il y a mon voisin grand voyageur. Pourquoi pas établir une vision au monde qui est là? Dans le secteur, il y a transport. Vous m'avez dit que grand voyageur. Vision, là, pour résoudre le problème, il y a transport, il y aura compatriotes, parce que même les lots, nous avons appris qu'il y a eu accident. Oh, tout à fait. D'abord, mes condoléances. Ok. Il y aura victime. Et puis, mes condoléances aussi, un peu plus condoléances, parce qu'on va moins de la toucher. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas réglementé le secteur de transport, on en met dans le buso. On va devoir voyager dans la condition, par véhicule, on les aura. Tellement c'est surchargé, voilà. Au point qu'au cas, il y a RR, quand il y a. Ça fait conduire à des membres. Ok, voilà, merci beaucoup, Gauthier. Voilà ma composition sur quoi le gouvernement. Quel quota vous souhaitez pour que jeunesse est-il à cause? Jeunesse, c'est à ma papa, on a, ils ont travaillé. Ils ont travaillé et ils ont échoué. Moi, je suis de ceux qui pensent que tous nos politiciens, on va travailler depuis les années 60, style et l'eau. Ils ont échoué. Comment on va vous boutiser? Tu y en a kabiliste, style et l'eau, même tu sais qu'ils disent, on va s'allier déjà 10 ans. Ils nous ont montré déjà, ils nous ont déjà montré la limite. On va continuer tout ça. Ils avaient fait un mot là, cabinet d'expertise. On va animer la conférence. Tu vois ce qu'il fait aujourd'hui le président, l'ancien président américain Barack Obama. Ils ont animé la conférence, ils ont commandé la livre et permettre de se ressourcer, de comprendre ce qu'il a fait. En comprenant ce qu'il avait dit, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il n'a pas fait, on peut chercher à corriger. Malheureusement, chez nous, les politiciens, parce qu'on n'a qu'à capable de démérer. Les vieux avaient toujours démérer. Or, ils pouvaient aussi donner la chance à la jeunesse qui va propulser la jeune là-bas. Et bien, on va assister la jeune en termes de coaching, en termes d'orientation, en termes de. J'ai apprécié des jeunes dans notre pays qui ont fait un travail exceptionnel. Ok. Dans le bureau d'âge, il y a ensemble. On avait deux jeunes, Gaël et l'autre de mon maréchal, la fille d'Aminat. C'est un travail exceptionnel. Ils ont conduit les bureaux, ils ont accompagné les présidents des bureaux d'âge, ils ont organisé les élections dans les délais conformément au calendrier prévu, et puis ils ont laissé les pouvoirs. Donc, ça, et donc, pour moi, la fierté pour moi, comme jeune, malheureusement. Dans le gouvernement, ça. Bon, on attend d'abord, il dit non, mais je ne pense pas. On tenant seulement compte s'il y a la liste légale et qu'il y a qui. La jeune va vraiment être suffisamment représentée. Ok. Maintenant, et quelque part, les jeunes, ils ont assez d'argent à la place. Parce que tout le monde a connu les jeunes, ils ont plus d'influence, ils ont plus de marche au pied. Parce que, la moins. Sérieusité ou anésalité. Et on va constater que non, le lot va papa ne va pas continuer parce que la jeune maman va dans la responsabilité. Maman, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ce n'est pas n'importe quelle jeunesse qui est à venir à l'autre. Jeunesse au hasard à venir à l'autre, et ça, jeunesse. Dans ma classe, c'est classe, d'accord, dans jeunesse, c'est à l'autre. Jeunesse au hasard réellement à venir à l'autre, et ça, jeunesse au hasard. Éduqué, instruit, la jeunesse soit équipée, et s'il va vous marier, et puis jeunesse soit encadré. Malheureusement, si vous observez le fonctionnement de la politique congolaise, trois points on va tenir compte dans notre. L'éducation est négligée dans notre pays. Les politiciens n'en tiennent même pas compte. Pourquoi ils ne tiennent même pas compte? Parce que celui qui va former bien nos malades, vous êtes appelé à vous remplacer. Si vous observez même le fonctionnement en Congo des années 60, tu verras que les politiciens ils étudient beaucoup plus en Europe, dans les pays occidentaux, où ils ont l'éducation à qualité, la formation à qualité. Quand ils arrivent, diplôme, il y a déjà une valeur. Et puis son système éducatif, il y a négligé, même il y a corrompu. Aujourd'hui, il y a des diplômes qui présentent comme ça. On doute même de ton diplôme. Tu es licencié, mais on t'engage, on te fait passer encore un test. Nous sommes qu'on n'a pas vérifié la capacité et la licence. Pourquoi? Parce que c'est éducatif. Et ça négligé par les politiciens.
Et j'ai mon programme, j'ai on a pas établi ça déjà ça là. Bah là bon, on va devoir étudier là, pas à l'école, il y a mal à mon étranger. Conséquence, bah là pour succéder, quelqu'un entre bango va politiser. Tu verras qui a entendu parler d'un Kamitatu, aujourd'hui tu vois un Olivier Kamitatu. Qui a entendu parler d'un Tshisekedi, aujourd'hui tu vois un Tshisekedi. Qui a entendu parler d'un Liaou, tu vois aujourd'hui un Liaou. Tu as entendu parler d'un Mwando, aujourd'hui tu vois aussi un Mwando. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait étudier leurs enfants dans l'école, il y a mal à ils ont fait voyager, ils ont fait vivre leurs enfants en Europe. Voilà. Là, j'ai ma mentalité en Europe et il y a un pays occidental. Donc, je vais jouer. Et là, c'est que les gens les ont fermés, les ont verrouillés. Voilà. Ils s'en foutent de notre éducation. Peu importe la condition pour votre guerre. Aujourd'hui, il suffit d'aller à l'Ivikine, par exemple. Vous verrez comment va éviter Bazotanga. Bazotanga, nous ne sommes pas en train de se faire. Nous ne sommes pas en train de se faire. Juste pour avoir un cas pour un niveau universitaire. Il y a un degré d'éducation à négliger. Alors, éducation à négliger, comment gérer souvent Bazotanga outillé pour aller éduquer pour nous remplacer dans le cours. Voilà. Et ça pose déjà un sérieux problème. Donc, ce qu'il a bien dit, c'est toujours les vieux là pour Bazotanga pour s'accrocher dans le pouvoir qui va prendre le pouvoir pour longtemps. Donc, c'est un peu difficile pour la jeunesse. Et puis, autre chose, la jeunesse, ça va beaucoup plus dans la logique qu'il n'y a pas accompagné l'idée, au lieu de créer, puis à un moment donné. Tout à fait. Voilà. Maintenant, là, en tant que jeune, vous avez jeune, moi, quand on réfléchit, tout le monde a l'air que tout le monde est ma couloune. Là. Parce que ça peut être jeune. 16 ans, 17 ans, 15 ans, maintenant, tout le monde a 12 ans, tout le monde a que de valeur formée et informée. Comment on a pas de bloc, comment ils ont ça là. Et ils ont le mélanie. Non, c'est un problème général. Là, le phénomène, il y a beaucoup dans notre langue, vraiment, il y a deux angles. Dans l'anglais, il y a l'État, dans l'anglais, il y a papa. Okay. Et beaucoup plus, c'est l'État qui est responsable. Comment ça? Parce que moi, là, aussi, non, 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 non. Voilà. Aujourd'hui, ce que tu as dit, le dialogue familial, les allages sont tes. Papa, où tu nous salas, il y a Fandina Banrasso, les allages sont tes. Parce que papa est aux hommes, à la tête de la main, à ma soeur, on va foutre du sauter, bon hôtel, bon exacte. Et bon exacte, papa a signé ma responsabilité, n'a pas comparé à tes. Moi, je suis un homme qui est un homme. Alors, je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui simplement pour nous là, à l'oukake, quoi manger. Donc, on a travaillé, on a pillé, on a maman, on a joué simplement à maman, pour que le phénomène a pour nous autre chose aussi, responsabilité, on est déjà à l'État. Parce que si on crée seulement les emplois, vous donnez à quelqu'un qui travaille, à qui est en Moussa, là, c'est fait en France, ou 8h, à aussi les 16h, ou 17h. Quand il rentre, demain, il doit encore rentrer dans Moussa. Les gars, déjà, on a 16h, 17h. Pour commander, pour commander, pour 18h. Il est fatigué. Il faut aller à l'IA, à l'ATA, il faut aller à l'IA, à l'ALA. Pour que l'objet ait un soin pour un jour. Est-ce que mon tour n'a pas l'attendre au Kinshasa? Alors, vous attendez, vous avez plus chômage des hommes matin, plus quand la banditisme paye pour la commande. Même tout le monde a même dans l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est la plupart, ça va faire banditisme. Ce sont des chômeurs. Ce sont des chômeurs parce que. Ils n'ont plus de distraction, ils n'ont pas de travail à faire au soir à mon temps. Il y a concentration, en raison pour laquelle il va se laisser. Plus l'État a mettre un mécanisme, plus le COVID va toujours la situation. Ce qui est inquiétant, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que dans le moment, un silence est à droit de l'homme. Par rapport à ce qui se passe dans le phénomène, nous allons donner un cas matasis. Je suis en train de voir comme si il y a une sorte de travaux forcés. Non, non, parce que tu as une formation pour là. Non, parce que tu as une formation pour là. Parce que tu as une formation pour là. Oui, oui, en quelque sorte, qu'on aurait éduqué ma mot. Non, parce que tu as une rééducation. Je ne sais pas, à moins que le programme est à l'établir à l'éducation. Pourquoi ma mot est à l'établir sur quelle matière? C'est pour une rééducation que tu as une rééducation. Ce qui va réellement avoir ça à la tête à l'éducation, parce que tu as une rééducation. Tu as une situation à travaux forcés. Ok, conversion de biens, tu es la protection. On ne peut pas. Condamné à la travaux. Non, il vous a contre, il est condamné malgré. Il n'y a pas pour éradication un phénomène pour nous. Mais dans la politique, nous et non seulement il y a pour que l'État ne pas cessé. Par contre, pour éradiquer, moi, plusieurs. Ce qui se passe dans la jeune, on va dire vraiment dans le centre de formation. C'est lui qui sort mécanicien, à pour vous dire, en tout cas. C'est lui qui sort coutirier, à pour vous dire, c'est lui qui sort
informaticien, la cybercafé ou ça, la banque ou ça, et vous verrez que tout ça est que vous allez éradiquer. Mais surtout que quand on a politique, il y a aussi d'avoir un cagne en cas. Plus babolona, plus babolona avec l'État, vous savez, non, il faut que vous ayez, il faut que vous ayez, il faut que Aya foutu le sous même chômage pour le Atikati. Voilà. La zone de criminalité. Ok, voilà, merci. Et le Komoko, il est sous wana. Pourquoi est-ce que le jeune n'a quoi armé? Plus le monde n'a qu'à être armé, tout le monde n'a pas payé, mais tout le monde n'a pas France, tout le monde n'a pas besoin de plus de jeunes. Moi, j'ai bien là, la masse, mon coin, ma lame, donc tout le monde n'a pas besoin de foutre, allez, le bac. Mais ici, par exemple, tout le monde est jeune, il est armé. Les jeunes ne doivent pas qu'une armée, à moins que ça ait le mot à qui tout le monde s'est vengé. Mais normalement, vous voyez mon co, tu sais, comme la police, la papa n'a qu'à le moins, la police, moi, elle est mise d'ailleurs, qu'elle est grand-mère, elle est mise, mais oh, je vais avoir la carte, il est armé. C'est dur, quoi. La première chose, c'est que armée, à mon ami, mon co, dans ma zone, il y a un jeune, vous avez aspiré au commandement militaire, pour servir mon canaille. Mais on a militaire au hasard déjà, on a alors c'est pour ma transport. On n'a pas fait ça là, non, parce qu'on a militaire maintenant, on a aussi un bon voilà. On se sort un bon transport, et on se trouve là où des nazis à Chikiban, dans les deux côtés, sur le cabinet, on a 1000 francs. Et on se voit, ça fait déjà mal. Bah, on a déjà au hasard, on a besoin de vivre. Et on fait ça, on peut courage à dire, ok, écoute, amène des. Tous ont la passion à servir le mot canon, mais sont tels cas à condition et à l'autre, vous êtes pour réserver. Mais aujourd'hui, si vous observez, bah, moi, je suis armé que par conviction à servir le mot canon. Je suis pas les parents par emploi. T'as l'idée, non, t'es. Moi, t'as moi 100 000 euros, après ça va vous venir dans un arme qui n'a pas la bombe. Et là, qui n'a rien de vous servir, on a intérêt à ce moment où on a donc à vraiment déterminé à servir le mot canon. Or, si nous avons une armée comme ça, c'est un danger pour la. Ok, voilà, merci beaucoup. Et voilà, pour la remédier à Nyon Sorana, pour que les malades, pour que jeunesse soit malade, jeunesse pays à l'année, la jeunesse soit allée, il faut quoi? Il faut réformer l'État. Dans quel sens? Il faut réformer l'État. Il faut prendre des réformes. Des réformes qui répondent aux besoins. Oui, bah, réforme, il y a pas ça là, bah, réforme, maman. Il faut pas, pour ça, réforme, pour non, ça, réforme. Réforme, bah, ça là, par rapport, il y a besoin. Pour tant de jeunes, surtout dans la personne, il y a armée. Pour les défendre, ils sont dans l'Est. Pour vous, jeunes, il y a armée qui est dans l'Est. Non, il n'y a pas de l'Est. Vous recrutez les jeunes des Nord qui vous décident, qui vous dépeignent, des Boutem, des Routchoum, des Fizi. Vous recrutez les jeunes noirs. Vous tuez mon armée. Dans la carte, il y a les jeunes noirs. Vous verrez ce dont on a tué les membres de leur famille. Vous verrez ce dont on a massacré, ce dont on a violé, on a vraiment tout à maman. Alors, servir le mot kanakanda, il y a pour venger, il y a contre la groupe. C'est fini. Mais aujourd'hui, vous verrez, on recrute les gens dans le Congo central, on dit que nous avons un côté collé, même dans le cancer. Après, comment et puis, on a un téléphone. Alors, cela n'a pas mal. Il s'inquiète d'abord de sa famille. Là, il s'est dit, conséquence, il ne défend pas bien le pays. Donc, la réforme aussi, dans le secteur, par exemple, dans le secteur éducatif, il faut pas revoir. Va revoir le système éducatif. Il ne faut pas former partout. Par rapport, il y a besoin de la société. Il ne faut pas former quatre abois, il faut la reformer. Non. Aujourd'hui, on parle des réchauffements climatiques. Donc, environnement que nous dominons, humanitaire, avec l'informatique. Il faut mettre un peu l'accent. Pour former les Congolais sur protection et environnement. Pour former les Congolais sur. Aujourd'hui, après l'Amazonie, c'est c'est le bassin du Congo qui regorge la forte puissance en termes forestiers pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, est-ce que plus on peut combattre les Congolais, tout ça, autre chose aussi, les minéraux, tout ça, non, on peut profiter de la Congolais. Comment ils ont profité? Parce que nous n'avons pas les réformes. Pourquoi pas créer le monde qui a mis la minéra dans le sol de l'eau dans le Congo, dans la qualité de l'eau brute, quand on est extrait et dans le sol, le thé qui a mon carbone. Voilà, le thé qui est ce moment est moins cher. Quand on a des 4 ici dans le Rwanda, le Rwanda a transformé en eau. Comme il produit qui est un thé qui a mon très cher. Tu vois un peu, aujourd'hui, si vous
si vous regardez, Rwanda et l'Ouganda bénéficient beaucoup plus. Dans les minéraux, dans les choses qui sont beaucoup plus grands, parce qu'ils ont développé une industrie de transformation. Acheter industriel est la zone. Ceux qui regardent sont les gens qui ont pris le brique, dans la production, dans le monde des affaires. Normal, voilà. Il y a quoi que vous transformez, ça va encore le piquer. Mais ceux qui déjà vous transformez, il y a ceux qui ont produit fini. À consommer un mot plus cher et puis tout ça. Donc il faut des réformes nécessaires. Et par réforme, un mot répondre à la question. Ok, voilà, merci beaucoup. Tous, tu peux nous montrer le Cambodge de la chaîne. Tous, on est le Cambodge. Tous les noms politiques et sous moi, mon quai. Quel espoir pour ce gouvernement après la rupture, il y a FCC cash. Même bateau. Au PMI, pendant la casse, même Béki, qu'on a changé simplement la chose. Comment ça? Les pays ont ces problèmes. Le premier problème de notre pays, c'est la mobilisation des FCC. Elle est trop faible. Trop faible. Et tant que nous n'allons pas maximiser notre capacité à mobiliser les recettes, hier c'est Kabila qui bloque. Aujourd'hui, ça sera peut-être Katoum. Et demain, ça serait Yo Mara Bijou. C'est Yo Naléonjo Léonde Bozo bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez des besoins. Vous avez des besoins à réaliser. Vous avez des projets. Oui, les ambitions, oui, de faire mieux. Il faut des moyens. Tout ce que vous voyez, les gens disent, non, on va construire, même récemment, je viens, proche de la tuer jeune. Tout ça, pour rien. Mais là, il faut de moyens. Il faut beaucoup de points qui s'imposent. Recette, mais c'est trop faible. L'année passée, 2021, nous avons fonctionné avec un budget de 3 milliards. 3 milliards, c'est ça, 3 milliards. Même pas budget à l'université à bas, même pas budget à l'université à bas. Tu vois, il n'y a même pas de budget à la municipalité, il y a France, il y a Paris. Mais il y a Paris, il y a un budget à plus de 14 millions. Bichot, État comme voilà. Donc, il faut des moyens. Sans les moyens, les mêmes problèmes vont persister. Les mêmes problèmes vont demeurer. Et la population, à comme on a toujours de l'autre côté, et le gouvernement, on a toujours échappatoire. Il y a pour se cacher derrière les émissaires qu'on a pour défendre chaque mois. Et pour le coup, beaucoup plus d'une faible capacité à mobilisation et à la recette. Donc, comment est-ce que vous avez un blocage? Vous avez un blocage. Vous avez un blocage. J'ai entendu des gens dire aussi, parfois, hier, on a reproché au ministre Sassilé à la Bouille d'être celui qui bloquait. Il y a pour financer Bambou. Non, il y a ce qu'on appelle. C'est ce que je dis donc, c'est bien, c'est comment on le doit faire. La loi des finances, à prévoir cadre, il y a des caissements et un bon mot. Et ça, on a vraiment la chaîne de dépenses. Chaîne de dépenses. Au lieu d'un état de besoin, il faut mal vérifier ce qu'ils ont dans le budget. Ceux qui ont un budget, on ne sert pas l'argent, maman. On ne gère pas la République comme ça. Il y a des principes dans la gestion de la République. Malheureusement, ils ont autre chose. Moi, les Atenamboka, oui, les politiciens sont incapables aujourd'hui de dire à la nation qu'il n'y a pas l'argent. Si vous voyez si peuple, que non, peuple, la minute tu as toujours un bon mobilité, tu es toujours le cambon. Même bon, exactement. Au moment où il y a des choses qui ne sont pas construites. Quand vous avez tassé, c'est les FCC qui bloquent aujourd'hui, c'est à bon. Et j'ai apprécié même de communiquer, FCC va pas au contact avec le gouvernement. Les lots, FCC a raté, président Félix a la majorité parlementaire, a la Sénat, a la gouvernement. Mais il a quitté la seule qui en est bloquée, elle s'en est bloquée. FCC a très compliqué. Moi j'ai toujours demandé, vous me dites, chef de l'État, il n'a pas ça, il est en boucle, FCC a fait le gouvernement. Il y a un homme, je m'en suis un journaliste, je m'en suis informé. Non, mais comme ça, il est bloqué. Bon, on est bloqué, ma caméra, ma caméra, il est bloqué. Quand ça, parce que sans juste même personne, mais ça, quand même, il est comme il est, tout voilà, il est comme ça, il est comme ça. 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 Oh, même équipage! Équipage, je ne sais pas pourquoi va tenir. Ok. Dans ce qui se dit que non, rien du tout est remarché. C'est mon pays, j'aime bien mon pays. N'a pas fait son cas crédit à Eva et avancé. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu comme un arme dans deux ou trois ans avec une position actuelle et surtout avec faible capacité à mon fondation. Dans deux ou trois ans, c'est celui qui est mandé à la présidente Félix Tshisekedi à droite. Donc, moi, j'ai pensé qu'il y a une année. Parce que 2023, c'est l'année électorale. Il faut voir ma tête. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Et nous sommes déjà les nerfs.
dans quelques jours, mois d'avril aussi, là, au mois de mai, il va nous rester une année et quelques mois de 2023, c'est l'année électorale où tout le monde sera concentré aux élections. Il n'y aura pas de temps pour répondre à besoin de la population en 2023. Ça sera une année électorale. Ce que l'élection vous a été, vous allez à la turbulence. Il faut gérer toutes ces crises-là. Gérer toutes les tensions. Donc, il ne fera rien. Ce qui nous reste seulement, c'est le peu d'années. Mais il ne fera rien quand même parce qu'au moment, on a vu que nous, parce que nous, on a vu les années. Quelques 18 ou 19 mois. Parce qu'il y en a quelques 18 ou 19 mois. 2023, il ne peut pas répondre à la besoin de la population parce que c'est l'année électorale. Non, parce que on est quand même avec jeune, bah, moi, si quand même, je suis quand même, voilà, il y a quelque chose. Quelque chose qui va quand même arriver, que c'est un malin, on a quand même beaucoup à l'habitude. Non, non, mais quand même, malin, mais que c'est un malin, beaucoup à l'habitude, de façon, promettre, vas-y, voilà, bientôt là, et au bon gars. Ma question, c'est là, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on a devait t'aimer quand même, quand même, malin, bah. Mais pourquoi ne pas leur donner une chance alors? Tant il faut pas faire tout ça. Dans vos zones à la cacaora, tout au sol. Gouvernement Bima, et moi j'accepterai même, il y a aussi la réévaluation mensuelle. Du coup, il y a les conditions au bando de l'État. Chaque mois, et ça vaut un mois déjà un mois, le peuple au bando compter mon nom. Il verra qu'il y aura toujours un accès de l'officier. Voilà, donc au zoom, ça va changer mon côté, il y a un peu de la vie. Vous l'entendez, c'est un peu comme Congolais. J'espère toujours que vous gagnez, madame. Mais je n'y crois pas. Parce que on dit donc on a quoi on a dit donc déjà malgré on veut aller au bac non bon ça l'a fait quand même en soi aux appels d'accord parce que j'ai poussé tous mes analyses aujourd'hui le président Félix semble se contacter dans l'institution après terminer cette institution n'a jamais aidé un pays à se développer ni la Banque mondiale encore moins les FMI donc quelle institution internationale ou quelle institution il y a aucune institution monétaire n'a aidé un seul pays à se développer. Libye s'est développée, c'est parce que Kadhafi s'est compliqué, sans l'aide de la Banque mondiale encore. Mao Tse-Tung a réussi à changer la Chine dans un laps de temps, sans l'aide de la communauté internationale, ni de la Banque mondiale encore moins. Donc, ce que vous comptez dans Bango, derrière, le financement dans Bango, il a grévé, à condition de rembourser. Mao, il a la plus dire, il a remboursé. Ok, merci beaucoup. Donc, on a une question à Souka. Tu crois que l'on a dit l'ambassade de 8 mois un pays, donc on ne comprend pas. Au cas qu'il y a quoi là, par hasard. Ça m'a fait mal. Mais l'un des mois, nous avons un ministre de l'État. Ok. Ah, voilà. À un moment donné, il ne faut pas saluer la République. Comment ça, vous voyez, au moins, elle peut te dire des vérités. Non, ce sont des secrets. Ce sont des secrets. Bon, ben, c'est quand l'État est fait comme matière, il y a sécurité ou tout ça. C'est humilier toute une nation. On pouvait résoudre ces problèmes. Et quand elle parle, elle a fait des démarches auprès de ses collègues du budget, des finances, tout ça. Les chefs de la diplomatie, c'est elle. Et elle doit rendre compte au président de la République à tout moment. 8 mois que nos ambassadeurs n'ont pas eu les frais de contrôle. C'est grave ça. Comment ils ont survécu tous ces gens-là? Et puis même, nos ambassadeurs, certains de nos ambassades, les gens ont la loyer, ils ont écopé par 8 mois dans l'État. Donc, vous allez étonner que l'objet de mon ambassadeur n'a pas été fait. Vous allez voir qu'il y a un peu de temps, il 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 y a au moins à qui tout comme à Tina Nivoa, ambassade des pays n'a bien aucun pays n'a bien représentation. Donc, ce qui est dans Félix avant va joyer au métal ambassadeur tout à fait. Et ça passe au moins à qui donc mon canadien ne salue 8 mois et donc tout à l'heure. Donc, il ne faut pas revoir la politique. Il y a un peu dans le barat. Ce que l'Andén a dit, que maman, ministre des Affaires étrangères, j'ai compris qu'il s'est posé aussi car je peux dire. Bon, exactement, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer tout ça? Parce que même ma députée,
gouvernement, ils n'ont pas payé. Et j'ai même appris qu'hier, ils ont tenu une réunion avec la marque. Et certains ont dit, sauf au président Sombo, on a dû sauter, on ne va pas faire passer ces gouvernements. Okay. Donc maintenant, on va travailler d'arrache-pied. Donc blocage, la blocage. Ma foutre à ma députée, le salaire n'a pas d'ici là. Donc, gouvernement aux arrache. Ce que dit, d'ici là, il va investir semaine prochaine. Il faut ce qu'on va foutre à la députée dès des mois. Il y a un salaire, il y a un frais de fonctionnement. Il faut exiger. Ce qu'il avait dit que les députés vont pas avoir au moins 15 000 dollars simplement pour en investir le gouvernement. Il y a ça, malheureusement. Sauf que ça, il y a un côté, il va bloquer. Donc, Il va blocage. Voilà, merci beaucoup. Message de relancer à la jeune, Nangongo, vous avez écouté. Message à la jeune, déjà un message d'espoir. Okay. Et puis, la jeunesse, il faut aller avec tous ces biens-là. Parce que ça attend, Nangongo, à un moment donné, ils nous seront plus. C'est nous qui sommes appelés à vous remplacer par mon lobby. Donc, vous remplacer par mon comment? Non pas pour s'éloigner, Nangongo, mais pour s'approcher, Nangongo. Pour comprendre comment ils font les choses, comment ils gèrent, et te redétecter ma faille de la gestion à Bango, et que puis soit une chose à faire, te corriger. Sauf que ça, il faut monter, pour continuer toujours dans la misère. Bango, c'est déjà le temps à Bango, ils ont échoué, donc ils ont déjà échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à transformer les pays, ils n'ont pas réussi à changer la situation des Congolais. Bissot, maintenant, il est temps à toujours avoir la responsabilité dans Bissot pour Nango, pour renverser la situation, et puis pour changer de page de l'histoire. Voilà, merci beaucoup Gauthier Boumandeke, merci vraiment et pour répondre à l'invitation à Bissot. D'abord, tu m'as quand même encore le baiser, mais il faut aller combiner, mais par rapport il y a temps, on a Bissot comme un sabi, bah d'ailleurs signaler Bissot déjà que notre commune a soukamé merci vraiment. Nakoya, Naka Tézan, vas-y Tézan, bah la soukaté, au bout de la Nakoya, bien que moi, agenda est commis, c'est chargé, mais je vais faire un effort. Non, il y a toujours pour pas prévu, moi, il y a Nana et pas là-bas. Et puis, on a la langue, les Congolais vont comprendre partout où on va la situation en beaucoup de les autres avant. Au moins, ça, il y a une analyse personnelle. Par rapport, il y a moins la recherche dans ça. Ok. Donc, ça n'engage que moi. Maintenant, on a comment vous dites, on a pris la raté, on a le bâton, on a fait comme ça. Voilà. Conformément à la constitution, on a fait signer la liberté, à penser que la liberté, à l'éducation. Sinon, on a ces périodes vraiment dans l'éducation pour les élèves. On a ces périodes dans l'équipe technique pour Bumba, dans le Congo. Merci. Dans le papa Don, il faut être dans les périodes. Voilà. L'équipe pour Bumba. Pour s'intégrer, camarade, on va accompagner, on va jouer à l'équipe de Bumba. Ok. Depuis cette station, la famille, on va mon Bumba, et puis on va toujours surveiller Bumba, on va avoir l'occasion. Bon, on va aller Bumba, vous en avez besoin, on va contacter, on va vous donner un numéro. Oui, oui. 1043. 89 63 413 89 63 413 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